C'est vers 1947-1948 que dans le projet est apparu quelque chose qui a persisté, une caméra. C'est donc en tant que collaborateur des 400 coups que vous trouverez 6 juin un chèque de 25 000 francs que je vous prie d'accepter aussi simplement que nous avons parlé. Bien cordialement vôtre, François Truffaut. À François Truffaut. Je me dis qu'un de ces jours, il va falloir s'y mettre à ce film-là. Pour que tout un chacun y lise qu'un enfant fou n'est pas à mettre au rebut et que nous avons bien besoin de ce qu'il peut nous révéler. Il faut bien comprendre que notre position ici est de vivre proche d'enfants mutiques, d'essayer de faire une brèche concrète dans ce qu'une société propose pour ces enfants-là. Oui, votre fils qui se massacre, on ne peut pas supporter de voir son enfant comme ça. C'est là qu'on a été voir M. Deligny. Il a compris tout de suite, lui. Il m'a dit les médicaments, vous les gardez en souvenir si vous voulez. Il m'a dit, moi je lui en donne pas. Quand il me parlait, il employait ce terme, c'est une initiative populaire. Les uns et les autres que nous étions, il n'y avait pas ni de médecins, ni d'étudiants, ni de... pas des spécialistes, pas des professionnels. On les a traités de caractériels, de déficients, de malades, de déchets. Avec la caméra, le monde les regarde, le monde des autres qui n'avaient rien à faire d'eux et seront tout à l'heure les témoins de ce qu'ils font chaque jour. Nous y étions là, proches, attentifs. Étonné, inquiet, ému,